Eh bien, salut à tous les amis, Cédric Cise. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va au top du top comme d'habitude. Aujourd'hui, nous sommes de retour pour une petite patrouille avec la police nationale. Hier, comme vous l'avez vu, c'était une journée un petit peu particulière car la neige est tombée en masse et du coup, nous avons dû sortir les déneigeuses. Si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder, bien évidemment, après avoir visionné celle-ci. Aujourd'hui, plus de neige, c'est un peu plus tranquille. On est avec la police nationale en mode police secours. Et puis, on va commencer tout de suite sans plus attendre. Donc, je suis bel et bien disponible. Yes, donc à tout moment, on peut être engagé. On est avec notre petit camarade dans le véhicule. Regardez, stationné secteur Vinewood, car ça va être aujourd'hui notre secteur de patrouille. Vinewood, Rockford Hills. On va vraiment essayer de rester sur les hauteurs de la ville. On peut également dévier sur Mirror Park et aller peut-être sur Pillbox Hill. Mais on va vraiment essayer de rester dans le coin. Donc, toutes les interventions qui concernent Davis, le terminal, l'aéroport, Vespucci, on va pas s'en préoccuper. Donc, les amis, c'est parti. Avant de commencer quoi que ce soit, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ainsi que de venir me rejoindre sur tous les réseaux sociaux pour ne rien louper. Et ça, je compte sur vous. Vraiment, c'est très important. Donc, c'est parti. On va commencer à rouler tranquillement. Oh, la petite voiture de sport là-bas. Elle arrivait vachement vite. Je vais juste attendre de voir si elle grille le feu rouge ou pas. J'ai l'impression que non. Donc aujourd'hui, les gars, on va faire vraiment du police secours. Donc répondre aux appels 17. Faire du contrôle d'individus, de véhicules ou autre. Hein. Vraiment une petite patrouille normale. On se met pas la pression. En mode détente. Donc allez, let's go. Ouais, comment il est stationné ce véhicule là? Il y a plein de petites ruelles sur le secteur Vinewood que nous ne connaissons pas, où l'on va absolument jamais. Alors si jamais vous voulez, on pourra à des moments se faire des petites ruelles tranquilles. Oh là, il est arrivé fort lui. Ok, là on passe devant le commissariat de Vinewood. Celui duquel nous dépendons du coup, si jamais nous faisons une interpellation ou autre, c'est ici que nous allons amener les individus. Allez, on va se faire un petit tour dans les petites ruelles, un petit peu cachées. Vous voyez là, il y a un parking ici, je savais même pas. Oh, il y a des déchets partout, par contre la ville est vraiment sale. Alors pourquoi pas une petite journée en éboueur. Oh là, c'est quoi ça? Ok, très bien, on est engagé du coup au niveau de l'opéra pour une personne qui demande de l'aide. Un citoyen qui demande une assistance. Donc c'est parti, on se dépêche, on a 600 mètres. Là j'ai un menu ici pour Dynamic Callout. Donc ouais, ça va nous servir à rien. Hop, allez, 300 mètres avant d'arriver sur place. On n'a aucune information. Ouais, juste on sait qu'il y a une personne qui a demandé, qui a fait une demande de secours quoi. Il y a un monsieur ici. Ok, je vais prendre contact avec l'individu. Monsieur, bonjour. C'est la police nationale. C'est vous qui nous avez appelé pour une assistance. D'accord, votre mari n'est pas rentré à la maison depuis plusieurs jours. Ok, c'est où et quand la dernière fois que vous l'avez vu, monsieur? Mardi, yesterday morning, d'accord, ok. Ok, qu'est-ce qu'il portait comme vêtement? Un tank top blanc, un jean bleu et des chaussures grises. Ok monsieur, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer toutes les informations au niveau du central. On va avertir toutes les patrouilles de la recherche de l'individu et de sa description pour tenter de le retrouver. Donc monsieur, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va vous laisser repartir. Et juste, vous allez me donner, monsieur, une pièce d'identité que je puisse vous recontacter à n'importe quel moment et qu'on puisse vous donner des nouvelles si jamais on a des informations. Ok, Billy Hills, allez-y monsieur, je vous laisse repartir. Ok les gars, bon. Au final, c'était une demande d'assistance pour une personne disparue. Bon bah finalement, on n'a pas eu... on n'a pas d'informations. Ok, bon bah pas de nouveauté. Les patrouilles sont averties qu'il y a une personne qui a disparu.
Donc 1 km 86, on part sur Legend Square pour une personne apparemment qui commettrait un trouble à l'ordre public. Donc là on s'éloigne un petit peu de notre secteur, mais bon. Allez, je passe là. Ouais, on va s'éloigner un petit peu de Vinewood, mais on va y revenir rapidement, ça va, on part pas trop loin non plus. Là on va rattraper l'autoroute et on va descendre directement jusque Legend Square. Donc ça c'est nickel, c'est du tout droit. On n'est pas trop loin non plus. Il y a un petit peu de circulation aujourd'hui par contre. Allez, bon, une première intervention. Bon, on va pas retrouver la personne en un claquement de doigts. Donc maintenant, tout le monde est averti de la disparition de cette personne. Et si jamais on a des nouvelles, nous recontacterons Billy Hill. Et là, on se dépêche d'aller sur notre deuxième appel. Public disturbance, donc c'est trouble à l'ordre public. D'accord, c'est sur un parc en plus qui est assez fréquenté de la ville. Ok. Allez, on va se mettre là. Et on va aller voir ce qui se passe. Ok, alors les gars, attendez. C'est le monsieur là-bas. Ok, monsieur. Monsieur, bonjour. Monsieur, bonjour. C'est la... C'est vous qui nous avez contacté? Ok, d'accord. D'accord, bon. Très bien. Il est où l'individu là qui injure tout le monde? Ok. C'est lui. Ok, monsieur, vous me donnez une pièce d'identité, s'il vous plaît. Je vais aller voir où est le requérant, là. Ok, bon. Ok, les gars, on est sur une personne qui est en train de crier des slogans racistes, tout simplement. Donc, nous allons l'interpeller sans plus attendre pour mettre fin au trouble à l'ordre public là qui est en cours. Allez, on va faire une palpation de sécurité également et un test d'alcoolémie, savoir si ce monsieur, en plus de ça, on lui rajoute l'ivresse sur la voie publique. Hop. Vas-y. Moi, je vais faire un request check sur Adam Blackmore. Alors, attendez. Je suis pas certain que ce soit lui, en fait. On vient de m'avertir qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la zone. Ok. On s'est trompé de cible, les gars. C'est la première fois que ça arrive. On s'est trompé de cible. Monsieur, je vous laisse, je vous libère. Mais restez là quand même, s'il vous plaît. Là. Tu restes ici avec lui et tu le démenottes. On s'est trompé de cible. Ah là, franchement, grosse erreur de la police nationale. L'individu serait... serait par ici. Alors, attendez. Bon, attendez les gars, là, elle est où la personne? Du coup, on l'avait vue, mais elle s'est barrée. Bon. Ok, bon, l'appel un petit peu compliqué là. Hein. Un petit peu compliqué. Bon, allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement laisser partir l'individu. Lui, en fait, c'était le requérant, celui qui a composé le 17 pour nous appeler. Et l'individu qui est en train de crier ses slogans racistes a tout simplement pris la fuite. Donc... on va essayer de voir avec la vidéosurveillance au niveau de la police municipale. Donc monsieur, je vous laisse repartir. Si jamais vous revoyez l'individu, n'hésitez pas à nous recontacter. Ok les gars, bon. À fin d'intervention pour nous. On remonte dans le véhicule. Allez, puis on est reparti. Hein. On est reparti. On va remonter au niveau de Vinewood. Première fois que je passe dans ce petit tunnel, je crois. Allez, on reprend. On reprend la route et c'est impec. Tac, donc est-ce que je suis disponible? Yes, à tout moment je peux être engagé. Donc là, on va remonter tranquillement sur Vinewood Hills. On va reprendre le secteur. On ouvre les yeux.
Ok, on va se faire le contrôle de l'individu là. On ouvre les yeux aussi par rapport à l'individu, le signalement qu'on a eu sur la personne disparue. Il est sérieux lui? Ok, il va s'immobiliser sur le bas-côté. Ok, c'est bon, il est immobilisé. On va le contrôler ce véhicule. Monsieur, bonjour, c'est la police nationale. Ouh, pas d'assurance, pas de permis sur le propriétaire. Monsieur, donnez-moi tous les documents du véhicule, s'il vous plaît. Là. Il a l'air très nerveux, le conducteur du véhicule. Dominique Lays. Ok, bon. Effectivement, l'assurance est bonne. La carte grise est périmée. Le permis de l'individu est également périmé depuis plus d'un an. Ah non, depuis le 16 janvier. Et la carte grise depuis le 28 juin. Bon bah monsieur, c'est pas bon ça. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool ou du stupéfiant là monsieur? Nope pour l'alcool. Ah d'accord, si l'alcool est bon pour votre santé. Bon, on va vous soumettre à un dépistage d'alcoolémie tout de suite. Eh ben ça commence bien ce petit contrôle. Le monsieur déjà il a pas tenté de nous taser ou de se barrer. C'est déjà une bonne chose. Bon, il n'y a pas d'alcool. Alors ce qu'on va faire, il est assuré, la carte grise et le permis ne sont pas bons. Donc techniquement il n'a pas le droit de conduire si son permis est périmé. Donc là on va lui demander de sortir du véhicule hein, puis il va rentrer en taxi. Je peux pas le laisser reconduire étant donné que son permis n'est plus bon. Venez avec nous monsieur. On va juste se mettre sur le bas côté là. Ok bon. On va checker vite fait les documents. Dominique Lays. Ouais, depuis plus quasiment un an, son permis est expiré. Il a déjà été interpellé pour un excès de vitesse à 100 km/h. Ouais, bon. Tac. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un véhicule operation. Donc, avec un permis tech suspendu. Ok, bon. On va pas lui retenir, du coup, ce qu'il a fait, là, l'espèce de drift au niveau du feu rouge. Donc on va juste lui mettre ça. Et il y avait quoi d'autre? Le permis et l'assurance. Ah ouais, bah ça les gars, l'assurance, c'est pas bon du tout non plus. Hein. Vehicle equipment. Non. Document. Without license. Et expired insurance. C'est ça. Ok, bon. Ok, parfait. Allez, on lui met tout ça, ce monsieur. Ok, 1 000 € d'amende. Monsieur, je vais vous donner votre amende. Hop, donc voilà. Vous avez donc 15 jours pour la régler, sinon elle est majorée. Et je vais vous demander de repartir à pied parce que là, vous ne pouvez pas reprendre votre véhicule étant donné que vous n'avez pas le permis. Vous devrez faire les démarches sur le site ANTS, hein, c'est l'Agence Nationale des Titres de Transport. Donc je vous laisse rentrer chez vous par vos propres moyens, appeler un ami, un taxi, un Uber, les transports en commun. Sur ce, bonne journée, monsieur. Et vous viendrez nous présenter vos papiers au niveau du commissariat. Oh là là. Ok, les gars, qu'est-ce qui se passe là? L'individu part en courant, l'individu part en courant. On va procéder au contrôle de l'individu un peu plus poussé là. Je demande des patrouilles, deux patrouilles supplémentaires. Ok, vas-y, le collègue va lui courir après. Le collègue va lui courir après. J'ai demandé deux patrouilles supplémentaires. On va essayer de se dépêcher, nous. Je vais reprendre le véhicule et je vais suivre la poursuite en véhicule. Et en même temps, je vais demander une dépanneuse ici. Allez, je vais me dépêcher, là. Ok, l'individu est en train de courir en direction du commissariat. Il est là l'individu, il est là. Ok. Caution un collègue. Il y en a toujours une avec un fusil à pompe. Hein. Vas-y, tase-le. Vas-y, chope-le, faut le taser les gars, faut le taser là.
Vas-y, vas-y, chope-le, chope-le. Ah là là, mais c'est fou ça. Je vais essayer de le taser à travers la fenêtre. Ok, c'est tasé. L'individu est tasé. Yes, relevez-vous, mettez les mains en évidence là, mettez-vous au sol tout de suite. Allez, couchez-vous. Vas-y, passe-lui les pinces. Impeccable. Individu interpellé. Tac. On va faire du coup une palpation de sécurité. On va approfondir le contrôle. Vas-y, tu me fais une palpation de sécurité, s'il te plaît, camarade. Bon bah, hey, on est vraiment pas trop mal. Hein. Là, on est pas trop mal. Hop. D'accord. Bon allez, monsieur, vous venez avec nous. Hop, pas toi, camarade. Venez avec nous, monsieur, vous allez être emmené au niveau du commissariat le plus proche et vu par un officier de police judiciaire. Vous avez le droit d'appeler votre avocat ou d'être vu par un médecin. Vous en ferez la demande à l'OPJ. Allez, installez-vous. Bon bah les gars, impeccable, après cette folle course-poursuite à pied, nous repartons en direction du commissariat de Legend Square. Pour tout simplement déposer un individu interpellé. Première interpellation de cette patrouille. Hein. Elle est venue très tard quand même. Mais bon, ce n'est pas grave. Oh là, attention. Allez. On va déposer l'individu. Impeccable. To another cop, comme ça, fin d'intervention pour nous. On est de nouveau disponible. Oh, petit bus de la RATP. On peut pas le louper là, le bus de la RATP. Impeccable. Et ben voilà pour nous. Fin d'intervention. Ouais, il va me gêner le bus. Donc les gars, ce qu'on fait nous, c'est que l'on va tenter de remonter jusque Vinewood. Parce que là, à chaque fois on essaye, mais on est réengagé ailleurs. Donc c'est parti, on y va. Bah petite poursuite, je m'attendais à une petite poursuite en véhicule. Ça aurait été un peu plus sympa, mais on va pas cracher dessus. Hein. Courir derrière un mec à pied, c'est aussi très cool. Hop, on va se faire un petit peu orange. Allez, on repart sur Vinewood du coup. Est-ce qu'il va y avoir un autre fou du volant qui va faire quelque chose d'illégal devant nous? Je ne pense pas quand même. Hein. Hop. Allez, c'est parti, on remonte. Allez, parfait. On reprend l'autoroute, on va prendre le même itinéraire qu'on a pris tout à l'heure pour venir jusque Legend Square. Comme ça, on se prend pas la tête et on va vite retourner en ville. On fait un peu l'autoroute, c'est pas très grave. Attention all units, we have a hold up at Vinewood 24/7 Market. Units respond. OK les gars, il y a un cambriolage en cours sur Vinewood Market, sur une supérette de Vinewood Hills. Alors c'est parti, je me dépêche. Ah ouais, on est vraiment pas à côté non plus. Hein. Les individus auront probablement le temps de prendre la fuite avant que la police se présente sur place. Suspects are on foot. Ok, apparemment les individus sont partis de la supérette à pied. On va tenter de les interpeller. Une poursuite vient d'être engagée. Je vais demander des moyens immédiatement en renfort. Ils sont où? Ils sont là-bas. Les deux individus sont là-bas. Ils montent dans un véhicule. Oh. Ok, on se fait tirer dessus. On est pris pour cible. Il est où l'individu qui me tire dessus là? Ok, il y en a un qui est neutralisé. Où est le second là? Ok, le second est là-bas. Ah, on l'a loupé là. Ok, je reprends mon véhicule là.
Je vais récupérer mon collègue tout de suite. Et on va prendre la poursuite en véhicule. C'est parti, vas-y, monte camarade, là, on va se le faire, lui. Il est là, il est là, il est là, il est là. Oh là 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 là, le carnage. Oh. Ok, je vais demander des patrouilles en renfort en véhicule. Ah, ils vont faire prendre en charge l'individu sur lequel j'ai tiré un peu plus haut. Ah, il a percuté des véhicules stationnés, là, le mec. Il est où, là? Bon, bah, on parlait d'une petite course-poursuite en véhicule. Eh bien, la voici, hein. Je suis derrière lui. Il remonte en direction de... de Sandy Shore. Backup needed. Sors du véhicule tout de suite, mets les mains en évidence. Allez, mets-toi au sol immédiatement là. Mets-toi au sol tout de suite. Ok, j'interpelle. Ok, parfait les gars. J'aimerais bien couper mon... mon doton. Je vais couper mon doton tout de suite. Ah ouais, il fait mal aux oreilles le doton, hein. Hop, impeccable. Allez, on va libérer la circulation tout de suite. Voilà. Flatbed, assistance required in Vinewood Hills. Bon bah allez, pour nous les amis, ça va être la fin de cette petite vidéo. J'espère que vous avez kiffé. L'individu il est reparti là-bas, mais on va le rattraper. Les gendarmes vont le récupérer, regardez. Et puis pour nous les amis, ça va être la fin de cette petite vidéo. J'espère que vous avez kiffé avec la police nationale. On va se dire à demain pour une nouvelle patrouille sur ma chaîne YouTube. C'était Drixis, prenez soin de vous. Et ciao, bye bye. Le véhicule a été récupéré par la dépanneuse et le collègue. C'est un petit bug, mais c'est rien.